Info Club Sandwich. Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle. Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Hugo pour Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on reçoit Petula Goldfever, artiste de cabaret, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé il y a quelques années l'association Amiens Burlesque, hein, une école qu'on peut retrouver au, au centre Léo Lagrange, au programme Effeuillage, euh, Look Rétro ou La Hoop. Et ce week-end, vous proposez notamment à l'occasion de la Saint-Valentin, euh, juste avant la Saint-Valentin, un cours d'Effeuillage pour femmes. Et pour hommes, alors on va bien sûr en parler dans cette émission, mais peut-être déjà qu'on peut commencer par revenir sur vos débuts dans cet art et la création de, de l'assaut. Alors, euh, donc euh, Amiens Burlesque a été créé en fait en 2016, parce que ça faisait déjà quelques années que je faisais du cabaret, euh, donc de l'effeuillage burlesque, et je suis également maîtresse de cérémonie, et je me suis rendue compte qu'il euh, n'y avait toujours rien sur Amiens, toujours rien dans La Somme, toujours rien en Picardie. Pour pouvoir aider toutes les personnes qui souhaitent s'amuser, s'initier à l'art de l'effeuillage, à l'art du cabaret, qui souhaitent donc aborder leur, j'allais dire leur complexe, les défier également et en rire, en jouer. Donc il n'y avait rien, c'était le moment un petit peu d'ouvrir les portes. J'ai commencé par ouvrir les portes de ma petite salle de répétition chez moi, et puis ça a grandi. Il y a eu de l'enthousiasme, les gens ont été intéressés. Donc voilà, on a commencé donc à faire des cours réguliers après au Centre culturel Léo Lagrange à Amiens. Et voilà, donc là maintenant, nous avons deux cours par mois. Et donc ça dépend parfois des cours des feuillages, parfois des cours de hula hoop, des cours d'esthétique rétro, des séances photo pin-up, etc., des chorégraphies, on fait plein de choses. Alors qu'est-ce qui vous a personnellement attiré justement dans cet art qui est réapparu au début des années 2000 alors, moi, ça vient véritablement de tout ce qui va être rétro, euh, le vintage. Depuis toute petite, en fait, c'est mon père qui m'a initié au cinéma, euh, et j'ai toujours été fan de toutes ces actrices hollywoodiennes qui étaient absolument euh, magnifiques, que ce soit Marilyn Monroe, Rita Hayworth, etc. Donc, ça, ça, j'ai toujours adoré aussi les comédies musicales de Vincent Eminelli, euh, etc. Et en fait, il faut avouer que c'est quelque chose qui, qui paraît toujours un peu inaccessible, que ce soit d'un point de vue esthétique, euh, que ce soit aussi vraiment aujourd'hui, bon ben ça paraît presque parfois farfelu d'aimer des, des films aussi euh, aussi désuets. Euh, et puis finalement, voilà, quand le burlesque est arrivé en Europe, hein, il est la renaissance a eu lieu aux États-Unis dans les années 90, véritablement euh, accompagnée d'une renaissance aussi euh, des danses swing, hein, des danses rétro, de la musique euh, rockabilly. C'est vraiment hein, un mouvement etc. global, hein, tout un mouvement à fait. culturel global. Voilà, ouais. esthétique, etc. Donc c'est comme ça que qui a eu la renaissance aux, aux États-Unis. Quand c'est arrivé en France, bon ben moi j'étais en Picardie, j'étais à Amiens. C'était un petit peu difficile justement euh, de pouvoir s'initier à tout ça. J'ai pris ma voiture et j'ai pas mal bougé. Euh, J'ai fait les bonnes rencontres, ce qui m'a permis de monter finalement assez rapidement sur scène et ça a marché. J'ai eu un petit peu euh, une chance formidable euh, de pouvoir enfin monter sur scène pour créer mes propres numéros réaliser moi-même mes propres chorégraphies, choisir mes musiques, euh, réaliser moi-même aussi coudre mes propres costumes, faire mes essais, avoir quelques petits doutes, euh, des déboires sur scène et puis bah, finalement grandir et jusqu'à aujourd'hui vouloir un petit peu partager euh, toutes ces petites aventures. Oui justement avec toute l'expérience que vous avez accumulée, vous proposez aujourd'hui des différents ateliers hein, dans votre école, des, des ateliers de chorégraphie mais aussi voilà de maquillage, coiffure, fin, voilà tout le look euh, pin-up. Et on essaye de donner d'apprendre en fait euh, principalement aux femmes hein, de comment euh, c'était pas vraiment l'idée de se déguiser mais comment appréhender ce personnage de la femme fatale c'est finalement euh, voilà le déguisement ça voudrait dire allez hop on joue un personnage là c'est non on a tout ça en nous il suffit de le trouver un petit peu et puis une fois qu'on on apprend à maîtriser tous ces codes euh, de la féminité qui sont véritablement des codes euh, ancestraux. Eh bien, finalement, on se sent beaucoup mieux dans la vie de tous les jours parce qu'on sait qu'on en est capable, qu'on n'a absolument rien à prouver, quelle que soit euh, notre taille et notre âge. C'est maîtriser les codes et puis justement s'en amuser par la suite. Euh... Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut quand même les maîtriser au départ et puis après, dans le burlesque, ce qui est génial, c'est d'ajouter l'humour, la touche de dérision, la touche d'absurde qui fait qu'on passe euh, d'une certaine émotion à une autre. Euh, voilà, et qu'on peut toujours surprendre le public. Alors je parlais de chorégraphie, mais c'est plus une gestuelle aussi à prendre. En fait, c'est pas véritablement une chorégraphie parce que on peut véritablement s'initier, en fait, ouais. voilà, c'est ça, s'initier au burlesque sans sans avoir fait dix années de danse classique, etc. Il n'y a aucun problème. On va dire que c'est beaucoup plus un enchaînement de poses et d'événements qui va être euh, simple fait d'ôter un gant, le deuxième gant doté un foulard, un bas, etc. Donc voilà, c'est cet enchaînement. Hein, euh, on appelle ça, on peut dire une chorégraphie quand même. C'est beaucoup plus joli, mais voyez, voilà, on peut tout à fait y arriver sans avoir de grandes notions de danse. Voilà, on peut se lancer dans vos cours sans avoir fait de fait. théâtre ou de danse avant tout à fait au niveau des cours des feuillages euh, on fait principalement des cours donc euh, niveau débutant pour véritablement tout découvrir que ce soit euh, la pose pin-up mais comment alors où est-ce qu'on pose ses mains et les pieds et les jambes et pourquoi elle est-ce la forme un petit peu s'habiller euh, qu'avaient les pin-ups euh, illustrés dans les années 40-50 euh, le visage les figures les expressions etc et après on va apprendre à se déplacer d'une manière peut-être un peu plus euh, féline pour pouvoir enchaîner euh, telle pose avec, euh, avec une autre et puis ben, on va apprendre à ôter un gant etc. Après on a des cours qui vont plus loin. J'ai déjà fait des stages par exemple uniquement pour retirer les bas, apprendre en une dizaine de façons comment retirer ses bas parce qu'il y a plein de façons de retirer, de retirer ses bas euh, et même si on n'en a pas avec un mien burlesque on prête des portes jartelles on prête des bas on prête tout. Euh, on a également des cours par exemple pour jouer avec un boa pour vraiment euh, voilà, se prendre pour une reine, une reine de la scène et du, et du cabaret et puis, et puis voilà je suis perdu dans tout ce que je vous disais. Et puis une fois qu'on maîtrise tous, ces, tous oui. ces gestes, on peut après créer un spectacle de toute façon. Tout pièces, à fait, ouais. tout à fait. Alors déjà, euh, nous faisons des, euh, des chorégraphies euh, donc de groupe. Moi, je me suis beaucoup inspirée des, des chorus girls. Hein. C'était les, euh, les, les, les jeunes filles qui, qui dansaient en ligne. En fait, une fois, dans les, dans les théâtres, les vaudevilles, les cabarets américains à l'entre-deux-guerres, en fait, entre chaque numéro, voilà, le rideau était baissé. Il fallait changer le décor. Et là, hop, arrivait la lignée de jeunes filles qui qui faisait, voilà qui dansait c'est comme ça que Josephine Baker d'ailleurs a débuté sa carrière comme chorus girl et voilà je me suis inspirée de, de ça donc on fait des chorégraphies donc de groupe et après oui on commence cette année le coaching scénique euh, pour que les élèves euh, qui, sont, qui sont tentés par la scène puissent, puissent démarrer alors prochains, prochains ateliers spécial Saint Valentin euh, c'est ce week-end un cours d'effeuillage au centre Léo Lagrange pour hommes, donc c'est le samedi, hein, pour hommes de 14h à 16h et de 16h à 18h pour les femmes, euh, comment d'ailleurs attirer les hommes pour ce, ce type d'atelier Eh bien écoutez, on m'a demandé d'en faire un. À force euh, avec mes flyers de, de tourner dans un mien et même d'avoir en fait les, les compagnons de, de certaines femmes qui viennent disant mais moi aussi, j'aimerais bien. Ah oh oui, je trouve ça vraiment bien. Et c'est vrai que c'est aussi une discipline à part entière. On a le burlesque pour les femmes. Il existe le boylesque pour les hommes. Donc euh, pareil, on hein, ne faut pas s'imaginer euh, quoi que ce soit. Mais les hommes aussi ont leur propre complexe ou leur propre difficulté aussi à peut-être se mettre en maillot de bain avant d'aller euh, à, à la piscine. Et puis bon ben bah, là c'est pareil. Hein. On apprend euh, à se jouer. Euh, des complexes et à adopter des attitudes qui correspondent à, à des codes très précis de la masculinité et puis ben justement pour, euh, pour jouer de tout ça avec, avec humour. Donc pour la Saint-Valentin, je me suis dit, ben on va peut-être arrêter de faire uniquement des cours spéciales d'âmes. Il faut peut-être que ces messieurs aussi euh, puissent faire plaisir à l'être aimé. Euh, et donc voilà, un cours pour hommes et puis un cours euh, pour dames. Il y a un public à Amiens, il y a des, des curieux qui veulent s'essayer justement euh, tout à, à cet art. Tout à fait donc euh, c'est vrai que nous nous, euh, nous donnons les cours euh, le deux samedi après-midi par mois euh, au centre Léo Lagrange. je donne aussi des cours euh, particuliers euh, J'ai également donc euh, des dames qui voudraient peut-être voilà resurprendre leur époux après le deuxième ou troisième enfant et donc euh, voilà on travaille à deux euh, pour leur créer une chorégraphie euh, toute particulière pour elles et, et oui il y a aussi euh, différentes personnes euh, qui m'avaient vu en spectacle sur Amiens ou d'autres co collègues du cabaret et donc qui euh, euh, qui ont envie de, de s'initier donc oui il y a une véritable demande et puis euh, et puis ça s'agrandit d'année en année, ça grandit. Alors pour revenir sur les ateliers spécial Saint Valentin, on peut encore s'inscrire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a encore euh, un petit peu de place, faut se dépêcher. Donc euh, pour celles qui sont euh, déjà euh, inscrites, donc, dans l'association Amiens Burlesque, hein, c'est simple, elles savent, elles ont un petit doudou à la remplir. Et pour les autres, il suffit d'envoyer un email à amiensburlesque.com. et dans ce cas-là, l'inscription sera validée. On peut dire aux participants qu'ils seront entre de bonnes mains, puisque vous êtes une artiste burlesque internationale. Vous voyagez beaucoup avec votre activité Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu beaucoup de chance et d'inspiration, car le premier numéro que j'ai créé m'a permis de voyager dans une dizaine de pays européens et de remporter quelques prix. Donc, voilà, parce qu'il y a des sais. concours hein, de, de tout burlesque. Tout à fait. Ouais. Il y a des festivals qui sont organisés dans la plupart des pays, euh, avec le, le Saint Graal qui se trouve, bien sûr, euh, aux États-Unis. Et puis, euh, donc, oui, des. Différentes compétitions euh, qui sont organisées également. Et quel est l'esprit justement dans ces concours plutôt euh, convivial Oui, c'est toujours convivial parce que vous voyez, c'est quand même un petit peu. Euh c'est toujours, toujours subjectif. En fait, il faut, faut comprendre aussi que le burlesque, c'est une question de liberté. Et euh, donc, euh, tous les artistes peuvent arriver avec une, une idée différente mise en scène, euh, une émotion différente mise en scène, je ne sais quel costume, etc. C'est très vaste. Et donc, euh, bah oui, le, le jury euh, peut euh, préférer à telle date. Telle personne, ça ne veut pas dire que les autres numéros sont, sont mauvais. Euh, donc, euh, non, non, il y a toujours un peu de stress, bien sûr, mais après, c'est pas ça non plus qui fait, qu fait une, une star du burlesque. Hein, c'est pas le nombre le nombre de prix. Ce qui fait une star du burlesque, c'est finalement, j'allais dire, euh, de toujours avoir un public et des producteurs qui la rappellent pour lui dire, euh, non, mais ce, ce numéro là, il est génial. On <laughs> te veut sur notre scène, quoi. Alors vous parliez des chorégraphies collectives il y a quelques instants. On peut dire quelques mots peut-être de l'Amiens Vintage Show, je crois où vous avez déjà oui. fait des démonstrations. Oui, tout à fait. L'année dernière, donc conjointement avec les Crapi Coyotes, également Taranta Swing Dance euh, sur Amiens, nous avions organisé donc l'Amiens Vintage Show. Ça a été un grand succès, sold out. Et donc bien sûr cette année, on remet ça. Alors yes. une version un petit peu différente parce qu'on a envie de faire. Amiens Vintage Night, hein, donc euh, en véritablement on se focalisant non plus sur le, le fait d'avoir une journée, une après-midi un petit peu festive autour du vintage, là on voudrait euh, se concentrer sur, sur le spectacle. Donc euh, on prépare différentes choses. D'ailleurs, si vous nous écoutez, si vous avez envie peut-être de monter sur scène, n'hésitez pas euh, à aller voir sur notre site ou à vous inscrire aux prochaines sessions, aux prochains cours. On prépare tout ça. Et vous-même, dans un mois, vous remontez sur scène dans l'Oise pour le premier salon Miss Pink Tattoo, c'est ça? Oui, tout à fait, avec, avec les élèves, oui, tout à fait. Donc, c'est la, la première fois que les élèves vont se produire en dehors d'Amiens. Nous sommes euh, très contentes de ça, ça va être, ça va être super. On peut peut-être rappeler aux auditeurs où on peut retrouver toutes les infos pratiques sur le Facebook, Amien Burlesque, le site aussi. Tout à fait. Alors pour Amien Burlesque sur internet, donc uh, www.amienburlesque.fr, l'adresse email amienburlesque@gmail.com. Voyez, c'est simple. Sur Facebook, la page Amien Burlesque, <laughs> hyper simple. Après, si vous voulez uh, en savoir plus sur moi, donc vous pouvez aller sur mon site petulagoldfever.com. Bah merci, Petula Fever. Mais je vous en prie, merci Hugo.